Je suis viticulteur sur la commune de Rufieux depuis 1991. J'exploite donc actuellement une surface de 10 hectares de vignes. En Chautagne, la particularité, c'est qu'on produit beaucoup plus de rouge que de blanc, contrairement au vin de Savoie. Le cépage le plus utilisé est le cépage Gamay, qui sert donc à l'appellation Chautagne rouge et aussi aux produits rosés, donc aux rosés de Savoie. Ensuite, j'ai un petit peu de Pinot et de Mondeuse, donc qui sert toujours pour faire des élaborations de vins rouges. Et ensuite, un petit peu de cépage blanc, la Jacquère, cépage traditionnel savoyard, et l'Altesse, qui sert pour l'appellation Roussette de Savoie. Je suis adhérent à la cave de Chautagne depuis mon installation. Donc la cave de Chautagne, c'est une coopérative où il y a un outil de vinification qui est mis en commun par 50 vignerons. Nous avons ici un caveau de vente pour la vente au détail et aux particuliers, notamment l'accueil de groupes en visite sur le lac du Bourgeux. Le cépage le plus pratiqué, c'est le cépage Gamay, qui sert, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'appellation Chautagne rouge. C'est un cépage qui est implanté en Chautagne depuis de nombreuses années, qui sert à faire des vins rouges agréables à boire, frais, mais qui sert aussi à faire des produits plus typiques, avec une note très poivrée sur les Chautagnes rouges.